Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Afolaki Oyinloye. Tout d'abord les titres de cette édition. Bolelemi, secteur industriel éthiopien en plein essor. Le yuan chinois rejoint le Fonds monétaire international et est désormais inclus dans les droits de tirage. Faible niveau de la croissance économique en Afrique depuis 2 ans selon la Banque mondiale. Bolelemi, premier parc industriel éthiopien, couvre 156 hectares. Il a été conçu pour aider des entreprises comme des agroprocesseurs, des fabricants pharmaceutiques et textiles qui produisent et vendent des marchandises en valeur ajoutée et stimulent les revenus d'exportation. La zone industrielle regroupe près de 9000 personnes et l'industrialisation des pays représente 5% de son PIB. Jean-David Mihamle, Michael Dibi, reportage. Un peu partout en Éthiopie fleurissent des zones industrielles comme celle de Bolelemi, soucieux de développer son secteur industriel qui ne représente qu'à peine 5% du PIB. Le gouvernement fait tout pour attirer les géants asiatiques du textile. Les entreprises payent seulement 1 dollar par mètre carré pour la location des hangars. Les douanes sont présentes ainsi que les banques. En contrepartie, nous bénéficions des transferts de technologie, car nous sommes débutants dans l'industrie. Au total, la zone industrielle de Bolelemi emploie près de 9000 personnes. Dans l'absolu, le coût du travail est bas ici. Mais également la productivité est inexistante, ce qui rend l'endroit attractif et que la force de travail est disponible. Et deuxièmement, il est très facile de former les gens. Dans un pays où le taux de chômage en zone urbaine est de 17%, la main-d'œuvre se bouscule au portillon. Une situation guère à l'avantage des salariés qui sont remerciés à la moindre plainte. D'ici 2025, le gouvernement espère créer 2 millions d'emplois dans ce secteur. Plus de 80% de nos exportations sont des matières premières. Et si on ajoutait de la valeur, on pourrait obtenir plus de devises étrangères. Mon institution veut devenir leader dans le développement des parcs industriels sur le continent africain d'ici 2025. D'ici 2025, l'Éthiopie veut réaliser 25% de ses exportations dans le secteur manufacturier. Entrée historique du yuan chinois au renminbi dans le club des monnaies de réserve du Fonds monétaire international. La monnaie a été incluse dans le panier des droits de l'organisation financière samedi depuis l'adoption de l'euro en 1999. Elvis Bo et William Baiha pour plus de détails. Le Fonds monétaire international reconnaît symboliquement la Chine comme l'un des moteurs de l'économie mondiale. Le Fonds a décidé d'inclure le yuan dans son panier des monnaies de référence. Cette mesure place formellement la devise chinoise sur un pied d'égalité avec le dollar américain, l'euro, le yen et la livre sterling. Le yuan peut dès à présent être utilisé dans les transactions internationales et détenu comme réserve de change. Toute chose qui devrait contribuer à renforcer son rayonnement international. L'inclusion du yuan dans le panier des droits de tirage spéciaux va davantage le diversifier et va le rendre plus représentatif des monnaies et de l'économie mondiale. Of the global currencies and the global economy. Pour l'instant, le yuan représentera 10,92% de l'ensemble du panier devant le yen, évalué à 8,09%. Le dollar américain et l'euro continuent cependant à dominer l'ensemble avec respectivement 40,73% et 30,83%. C'est un pas important dans l'intégration de l'économie chinoise au niveau mondial et du système monétaire. L'inclusion du yuan rend compte des progrès accomplis par la Chine en matière de réforme des systèmes d'échange, des devises et financiers. Foreign exchange and financials. La présence de la Chine dans le panier des droits de tirage spéciaux est une avancée pour Pékin, dont la stabilité financière et monétaire est reconnue.
Reste que la décision du FMI va transformer le système financier mondial en fournissant une alternative aux pays en froid avec les principales puissances occidentales. En décembre dernier, le Zimbabwe a annoncé avoir fait du yuan sa monnaie nationale. L'objectif de la mesure est clairement de contourner les sanctions américaines imposées à son économie. Une décision logique selon Harare, pour qui la Chine est le premier partenaire commercial. Nous avons en ligne Ayodeji Ebo, il est économiste à FreeVest au Nigeria. Bonjour, quelles pourraient être les répercussions de l'entrée du yuan chinois dans les droits de tirage spéciaux du FMI sur le continent africain ? En termes de commerce, cela prendra un moment avant d'en ressentir d'éventuelles conséquences. Certains pays africains vont commencer à garder leurs réserves de yuan. Ce qui leur donnera plus d'accès à cette devise, et certaines économies vont également le découvrir. And for some economies that may discover that the yuan, ces économies qui vont découvrir le yuan comprendront qu'il s'agit d'un rouage essentiel dans l'importation. Ces économies vont tenter d'introduire quelques ajustements de swap dans lesquels les importateurs de Chine reçoivent directement le yuan plutôt que le dollar, la devise dans laquelle la plupart des échanges s'effectuent jusqu'ici. Qu'est-ce qui entre en jeu dans l'inclusion du yuan au DTS? Si votre monnaie est introduite dans le panier des droits de tirage spéciaux du FMI, vous n'avez plus de contrôle véritable sur elle. Ce qui s'est en réalité passé plus tôt cette année, lorsque la Chine a dévalué sa monnaie. Cela a surtout affecté le marché chinois. Les gens ont perçu que leurs biens seront plus compétitifs en comparaison avec d'autres économies. Désormais, avant que la Chine ne puisse faire la moindre dévaluation ou le moindre ajustement du yuan, elle aura besoin d'un accord des autres membres du groupe et de l'assentiment du FMI. La Chine ne pourra plus décider de manipuler sa monnaie comme bon lui semble dès à présent. Nous vous remercions. Les économies subsahariennes ont chuté à leur niveau le plus bas en deux décennies pour se retrouver à 1,6% selon la Banque mondiale. L'Afrique a pourtant été l'une des régions à croissance rapide dans le monde. Armel Nga et Michael Dibi nous disent comment et pourquoi le continent en est arrivé là. La croissance économique en Afrique subsaharienne est susceptible de glisser à 1,6% cette année, son plus bas niveau en deux décennies d'après le dernier rapport de la Banque mondiale. L'Afrique a été frappée par la baisse de ses exportations pétrolières et minérales, conduisant à la baisse de la croissance de 3% en 2015. Selon l'institution, les difficultés persistantes au sein des plus grandes économies du continent que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria en sont la raison majeure. Cette forte baisse de la croissance globale reflète les conditions difficiles dans trois des plus grandes économies d'Afrique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Angola. Alors que ces pays sont confrontés à de forts vents contraires de la baisse des prix des matières premières. Les exportateurs de pétrole en Afrique subsaharienne continuent d'éprouver des dérapages dans la croissance économique, conséquence des chocs de l'effondrement des prix des matières premières. La qualité des exportations et la diversification sont plus avancées que dans d'autres économies. Plus important encore, ces économies ne disposent d'aucune institution publique plus efficace. C'est essentiel pour la croissance. Selon les analystes, l'augmentation de la productivité agricole sur le continent est au cœur de la transformation de l'Afrique subsaharienne. Ce reportage marque la fin de ce programme. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également participer en envoyant vos sujets via nos différents réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.